Donc, sans plus tarder, M. Bourassa, je vous passe la parole et j'allume votre... Pour faire une histoire courte, dans le domaine de la copropriété, il faudrait d'abord que je vous demande si vous aspirez à la copropriété ou si vous expirez en termes de copropriété. Vous aspirez à la copropriété. Donc, chez vous aussi, grosso modo? Bon. Alors, ça justifie d'autant, je pense, les quelques propos qu'on a à relater là-dessus. J'ai un long parcours d'architecte, c'est entendu, à l'âge que j'ai, depuis plus de 35 ans. Et depuis quelques années, on fait beaucoup d'interventions dans les copropriétés, naturellement, sur le marché de Montréal, beaucoup. Et ça nous permet de voir beaucoup de problèmes, des problèmes qui sont dus à différentes causes, au bâtiment, c'est entendu, mais des problèmes liés au contexte juridique associé aux copropriétés. Le monde de la copropriété est hyper judiciarisé aujourd'hui, il faut le comprendre. Pour le moindre petit pépin, on doit recourir à des avocats pour faire régler auprès du conseil d'administration, auprès d'autres intervenants, pour faire régler les problèmes. Pour vous donner un exemple, si vous achetez une copropriété dans un syndicat de copropriété, mais il fait partie d'un ensemble où il y en a 8 syndicats de copropriété. Puis les 8 syndicats sont partenaires d'un autre global syndicat de copropriété qui gère des espaces communs. Bien, si, comme c'est déjà arrivé, on a un litige entre 2 copropriétaires, par malheur, de 2 syndicats de copropriété différents, à propos, comme c'est arrivé, d'un petit muret litigieux entre 2 copropriétés, bien, on s'est ramassé avec 9 avocats dans le dossier. 9. Alors, imaginez à combien de l'heure ça fait, ça. Ça fait des sommes extravagantes pour régler des petits litiges faciles à régler autrement. D'autre part, il faut comprendre que dans la copropriété, en passant dans la région de Montréal, ça représente grosso modo une transaction immobilière sur 2 dans le domaine de l'habitation. C'est donc extrêmement important. Or, il existe la loi sur la copropriété au Québec, qui est une loi déterminante dans la façon de structurer les copropriétés. Puis il y a un enjeu majeur par rapport à cette loi-là, c'est que si on veut améliorer quelque chose dans le domaine de la copropriété, non pas faire de l'entretien, mais faire une amélioration, ça requiert la double majorité en Assemblée générale. La double majorité, ça veut dire plus de 50 % des copropriétaires et ça veut dire plus de 75 % de la valeur foncière de l'immeuble qui est représenté. Donc, pour vous donner l'exemple qu'on donne aux législateurs en cette matière, si vous voulez ajouter une borne électrique ou 2 bornes électriques parce que vous croyez à ça, l'électrification des transports, vous croyez à ça, les voitures branchées, etc., bien, vous ne pourrez pas installer de bornes branchables pour une voiture dans votre copropriété si vous n'avez pas l'assentiment de tout le monde. Est-ce que vous aurez l'assentiment de la double majorité s'ils ne sont pas concernés? Vous avez moins de chances qu'ils veulent faire ça. Il y a quelques années, j'étais à un événement de l'ONU en Bulgarie, un événement sur la copropriété, et c'était incroyable comme tout le parc immobilier d'habitation héritage des post-soviétiques était en train de se déglinguer, mais de bout en bout, précisément pour les mêmes raisons, grosso modo de double majorité, parce que les gens ne veulent pas améliorer l'immeuble, ils ne veulent pas augmenter les charges. Il faut savoir que s'il arrive dans votre copropriété un drame majeur, comme j'en vois plein en fait, puis que vous avez une cotisation spéciale de 75 000 $ à payer pour l'entretien de votre copropriété, pour la rénovation des espaces communs, bien, si vous ne le payez pas, il pourra être levé une hypothèque sur votre copropriété que vous devrez payer parce que le syndicat de copropriété a le pouvoir de lever des hypothèques pour payer les charges. Alors, c'est assez contraignant, c'est assez important. Fait qu'on ne peut pas prendre ça à la légère. J'ai été président de l'Ordre des architectes pendant 4 mandats, pendant 8 ans. J'ai été impliqué à l'Ordre des architectes pendant des années, plus de 20 ans en fait. Et dès le début des années 90,
les associations de consommateurs venaient nous voir à l'ordre et réclamaient avec nous qu'il y ait de la surveillance des travaux pour les constructions de copropriétés. C'est encore n'importe quoi aujourd'hui. Les chantiers sont faits quasiment sans surveillance, de sorte que la qualité qui est livrée est certainement une qualité cosmétique et certainement une qualité en design assez remarquable souvent, mais en même temps une qualité assez fragile et souvent déficiente sur des enjeux plus fondamentaux, mais qui ne sont pas visibles. Okay? Alors, c'est sûr que quand vous voyez une aire gazonnée, comme je vais vous en montrer tantôt, si vous voyez une belle aire gazonnée, puis vous dites, « Ah, c'est merveilleux, les stationnements sont en dessous de l'aire gazonnée. C'est écologique. J'ai un toit vert sur les stationnements. C'est merveilleux. » Alors, je souscris au développement durable. Quand la membrane sous le gazon vient à faire défaut et que le placoplâtre, le gyproc, tombe sur les voitures et que l'eau s'infiltre partout, il faut tasser la terre pour changer la membrane. Quand je tasse la terre, je ne peux pas la tasser sur l'autre partie du stationnement. La charge est trop lourde pour résister à ça. Il faut que je la transporte. Il faut que je l'envoie où? Ma copropriété couvre tout le terrain. La densification urbaine, moi, je suis pour ça. Là. Je vous le dis sincèrement, je suis pour ça, la densification urbaine, non pas l'étalement. Mais quand c'est le temps de faire des rénovations comme ça, et c'est à coût de 100, 200, 300 000 $ que coûte la rénovation de la membrane, c'est pas drôle, c'est plus écologique du tout, du tout, du tout. On ne souscrit pas de cette façon-là à nos objectifs écologiques. Alors, le terme le plus juste, je pense, pour décrire ce qui se passe dans le monde de la copropriété en ce moment, c'est la séduction. On doit séduire par des bonnes paroles, on doit séduire par les termes appropriés, on doit séduire par des designs tous plus légers, aériens, fondamentaux les uns que les autres. Et qu'est-ce qui est plus déterminant, qu'est-ce qui est plus oppressant qu'un bulldozer ou qu'un rouleau compresseur? Qu'est-ce qui est le plus intense dans la vie qu'un rouleau compresseur qui écrase tout sur son passage ou qu'une machine à déboiser? Ce qui est plus intense que ça, ça s'appelle une tendance. Ce qui est trendy. Alors, qu'est-ce qui est trendy? C'est les terrasses encastrées dans les toitures. Qu'est-ce qui est trendy? C'est les murs de verre d'un plancher jusqu'au plafond. Évidemment, vous avez le soleil d'ouest là-dedans, donc quand vous regardez les copropriétés qui sont entièrement vitrées, vous voyez les stores sont fermés jusqu'en bas. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Sinon, une performance énergétique pitoyable et un entretien considérable. Mais c'est trendy, je vous l'ai dit. C'est pire qu'un rouleau compresseur. C'est ça que les gens veulent. J'ai même un architecte qui m'a déjà dit, « Mes bâtiments sont écologiques. On voit les arbres au travers. » Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas ça qui est la performance énergétique. Le juste équilibre. Qu'est-ce qu'on s'attend de voir? Qu'est-ce qu'on s'attend d'un immeuble quand on le conçoit? On voudrait qu'il soit trois choses. Qu'il soit harmonieux, qu'il soit fonctionnel, puis qu'il soit durable. Harmonieux, fonctionnel, durable. Cet équilibre-là, qui est si délicat à atteindre, qui est si difficile à atteindre, c'est pas ça qui est tendance en ce moment. Ce qui est tendance, c'est la prouesse architecturale. Le mur de verre le plus grand possible, les porte-à-faux les plus grands possibles, les terrasses sur le toit les plus spectaculaires possibles. C'est l'esbrouf qui séduit, parce qu'on aime, évidemment. Mais la séduction devient inélégante si monsieur, madame, en tuxedo, en robe du soir, en escarpin, vous jardinez, il n'y aura rien d'intéressant, rien d'élégant, rien d'intelligent, rien de cohérent là-dedans. Ce sera juste incongru. Bien, plusieurs de nos immeubles sont en escarpin et en robe du soir, même quand il vente, puis qu'il neige, puis qu'il y a des tempêtes, puis qu'il y a du verglas, sont d'une fragilité extrême par rapport aux éléments dans lesquels on vit. Alors, j'ai donné pendant une quinzaine d'années des cours pour la SCHL sur la qualité de l'air intérieur. Alors, partout au Québec, que ce soit sur la Côte-Nord, en Abitibi, à Québec, à Montréal, partout. Des enfants malades, des sous-sols moisis, tous les dégâts d'eau imaginables, là, j'en ai vu vraiment ad nauseam.
Et je peux vous dire que dans le monde de la copropriété aujourd'hui, ça se passe encore comme ça, même si c'est des copropriétés qui valent 500 000, 700 000, 800 000 $. Je vous relate une anecdote, puis après ça, on va faire un peu de visuel quand même pour vous montrer des choses. J'ai un bon ami qui est un fabricant de fenêtres. Alors, le jeune ingénieur qui travaille dans la compagnie de fenêtres a un téléphone d'une dame qui veut acheter une copropriété de 800 000 $. Elle demande au type qui a fourni les fenêtres, « Est-ce que vous avez fourni du verre énergétique? » Bien, il dit non, parce que c'est pas ça que le promoteur nous a demandé. On a mis du verre ordinaire, pas énergétique, du verre double, clair, minimum. Bien, elle dit, « Je vous remercie. » Elle dit, « Ça me donne l'idée que si le promoteur qui a mis des fenêtres partout n'a même pas mis du verre énergétique, pour 800 000 $, je pense que je vais passer mon tour puis je vais acheter ailleurs. » Et c'est ce que vous devriez faire. Soyez vigilant, parce que quand vous avez les deux pieds dedans, la copropriété, c'est plus le temps, c'est trop tard, vous êtes assez, vous êtes pas mal dans un engrenage important. Important d'autant plus que on aime à parler des réussites, on aime à parler de ce qui marche, on aime à parler de ce qui fonctionne. Ce qui ne fonctionne pas, par modestie, par philosophie positive, on ne veut pas en parler. Alors, pendant ce temps-là, on répète, année après année, des processus, des formules d'architecture qui ne fonctionnent pas, qui ne donnent pas de résultats, qui coûtent cher à réparer, mais c'est trendy. J'étais dans un colloque sur la copropriété à Paris récemment, ça fait bien, hein, tu l'as parlé. Puis, la dame de la ville de Paris, responsable d'appeler des nouveaux quartiers de copropriété, des nouveaux quartiers écologiques, nous disait bien candidement, elle dit, on reçoit de la part des jeunes architectes des propositions, mais vraiment impressionnantes, de nouveaux éco-quartiers. Puis on est obligé de leur dire, on ne veut pas péter... Elle ne disait pas dans cet accent-là, évidemment, c'est une Parisienne, OK? Mais je n'essaierai pas d'imiter son accent, ça serait vraiment malhabile. Elle disait, on est obligé de leur dire bien modestement, écoutez les jeunes, ce que vous nous proposez, on l'a fait il y a 25 ans, ça ne marche pas, on est pris avec ces problèmes-là, par pitié, trouvez d'autres choses. Mais eux autres, ils arrivent, les pectoraux tout gonflés, là, parce qu'ils sont sûrs que c'est ça, d'autant plus que dans leurs écoles d'architecture et d'urbanisme, on leur enseigne souvent, les enseignants leur enseignent souvent des choses qui ne sont pas tout à fait à jour, parce que dans nos écoles d'architecture, contrairement à nos écoles de médecine, les gens qui enseignent ne sont pas tous des praticiens. Donc, ils ont une vision théorique. Et qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment que les jeunes fassent des concours d'architecture, fassent une réputation à l'école d'architecture. Le service à autrui, ce n'est pas ce qui prime le plus. En tout cas, j'ai fait mon cours, ça fait un moment, vous me direz. Mais pour en avoir accueilli tant et tant des étudiants dans les écoles d'architecture, je peux vous dire que ce n'est pas la première stratégie, la première démarche. Alors, je vais essayer de ne pas trop vous tourner le dos. Donc, la loi sur la copropriété, tant qu'elle ne change pas au Québec, tant que ça prend la double majorité pour faire des améliorations au bâtiment, pour corriger des problèmes de conception, vous allez être dans le caca encore longtemps parce que vous allez garder des vis de bâtiment. Vous allez être pris avec. Je vais vous en montrer quelques-uns tantôt. Les rôles et les obligations des parties prenantes. Puis bon, ça, on en a parlé un peu. Alors, j'y vais rapidement. Je vais essayer de regarder mon temps aussi parce que ça passe vite. Alors, la séduction, c'est enjoliver des designs attrayants, des besoins qui sont créés. Des fois, il y a des très belles formules. Offrir un cellier à louer dans le sous-sol, offrir un endroit pour réparer votre vélo dans le sous-sol des condos. C'est charmant, c'est sans conséquence. Il n'y a aucun problème avec ça, qu'on se comprenne bien. Mais le discours écologique, ça, c'est une autre affaire. Là, il y a vraiment des points importants à nuancer, comme ce que je vous ai parlé tantôt sur les toits végétales sur un endroit ou sur l'autre. Ça, c'est extrêmement important. On n'améliore rien avec ça. Et surtout, les sommes parfois faramineuses qui sont investies à certaines stratégies écologiques, prenez le même argent, puis en termes de rendement écologique, on pourrait, dans une étude d'opportunité, très souvent faire beaucoup mieux. Mais encore une fois, quand un promoteur construit des condos, ce qu'il veut, c'est les vendre vite. Pour les vendre vite, l'entretien dans 25 ans, on s'en fout, c'est pas de ses oignons.
Mais je vous rappelle qu'on a un paquet d'immeubles en copropriété dans la région, au Québec, qui sont des anciens immeubles qui sont transformés. L'autre affaire importante que je dois vous rappeler, c'est que à l'heure des Internet, sur Internet, les immeubles ne vieillissent pas. On intervient en ce moment dans une copropriété à Montréal. Tous les problèmes surviennent dans la copropriété. Les capteurs solaires ne marchent pas, la géothermie ne marche pas, le recyclage de l'eau ne marche pas, les revêtements sont à refaire, les sommes à investir sont extravagantes pour des condos qui sont récents. OK? Si vous allez sur Internet pour voir ces condos-là, il y a une émission qui a été faite à ce sujet-là, et c'est la même émission que quand les condos ont été construits en neuf, il y a quelques années, et c'est cute, c'est vert, c'est écologique, c'est bucolique. Écoutez, on en veut, on en veut, on en veut quand on a fini de voir l'émission à la télé. Et c'est ça qui roule sur YouTube. C'est les condos comme ils étaient. C'est pas le copropriétaire à qui j'ai parlé l'année dernière, quand on a commencé à intervenir là. Puis j'ai dit, écoutez, on va trouver des solutions pour que vous soyez bien, pour que les problèmes soient réglés. On va faire tout ce qu'on peut pour que vous soyez bien dans votre copropriété. Il m'a dit, vous ne m'avez pas bien compris, M. Bourassa. Nous, ce qu'on veut, c'est régler les problèmes. Puis, il a utilisé des termes plus polis que ce que je vous dirais, mais c'est crisser notre camp d'ici. C'est ça qu'on veut. On n'en peut plus. Et c'est l'aspect qui n'est jamais relaté dans les brochures. C'est l'épuisement des gens. Quand de chicane en chicane, ils ne réussissent pas à faire réparer leur copropriété parce que le conseil d'administration ne veut pas, parce que les sommes sont extravagantes, parce que c'est incessant. À chaque fois qu'ils rouvrent un mur, il y a un problème, ils rouvrent un toit, il y a tout le temps quelque chose. Et de ça, si vous pensez qu'il n'y en a pas beaucoup, détrompez-vous, il y en a beaucoup, sauf qu'on ne veut pas en parler. Parce que si on en parle publiquement, on fait baisser la valeur foncière de la copropriété, comprenez-vous, puis personne ne va vouloir les acheter. Alors, à ce moment-là, on ne s'aide pas personne. Mais c'est l'omerta qui entoure ces problèmes-là. Ce qui va peut-être nous donner une chance, c'est qu'on a une vingtaine de députés de tous les partis qui sont pris dans des copropriétés à Québec à problème. Peut-être qu'ils vont finir par comprendre quelque chose. Puis dans leurs différents partis respectifs, faire voter une nouvelle loi sur la copropriété par rapport à ça. Si vous avez des questions entre-temps, je n'y vais pas, là. Bon, ça prend une déclaration de copropriété. La déclaration de copropriété, c'est la loi que vous vous êtes donnée et qui vous gouverne. Il y a des déclarations de copropriété qui sont très bien faites, mais il y en a d'autres qui sont absolument insensées. Donc, c'est pas l'agent immobilier qui va vous parler de ça tellement, mais il y a vraiment des nids à problème par rapport à ça. Bon, les charges communes plus grandes. Moi, les fonds de prévoyance, vous savez c'est quoi le fonds de prévoyance? C'est destiné à remplacer des choses à la fin de leur vie utile. C'est pas juste destiné à laver les tapis. Ça, c'est de l'entretien. C'est destiné à les remplacer, les tapis, en bout de ligne. Mais si on ne veut plus avoir de données tapis dans un corridor, parce que ça pue, là, OK? Puis que vous voulez mettre de la céramique ou d'autres choses, bien là, ça va vous prendre la double majorité. Fait qu'il y a du monde qui veut, il y a du monde qui ne veut pas, puis il y a forte chance que vous remplaciez les tapis, même si c'est insensé aujourd'hui, étant donné ce qu'on sait en termes de qualité d'air intérieur. Alors, l'acheteur doit se renseigner sur les services. Le copropriétaire doit respecter la déclaration. Il y a en passant toutes sortes d'échelles de copropriété. On a des copropriétés au Québec qui sont des 4, 5, 6 logements. Il y en a qui sont des 4, 5, 600 logements. Ce n'est pas la même chose. Il y en a qui sont gérés par des gestionnaires externes qui sont hyper brillants, hyper compétents, hyper intelligents puis talentueux. Puis il y en a d'autres qui sont gérés par des gestionnaires externes qui sont dramatiquement incompétents, qui ne connaissent pas le bâtiment, qui ne savent pas c'est quoi l'entretien préventif. C'est vraiment pathétique. Et là, je ne vous parle pas des conseils d'administration. J'en ai vu plusieurs dans ces dernières années. Des conseils d'administration, c'est génial. Puis il y en a d'autres, écoutez, ils ne comprennent pas ni du cul ni de la tête. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a rien à faire. Il y a tout le temps un beau-frère qui sait plus de choses. Il n'y a rien qu'on n'a pas vu, je vous dirais. Alors, évidemment, vous trouverez facilement sur Internet ce genre de répartition. Je veux juste vous illustrer, vu que le temps avance, vous illustrer un peu le genre de malfaçon qu'on peut avoir. Alors, en plus, quand vous avez des grands immeubles,
De 5 étages et plus, vous devez avoir de l'inspection des façades. Vous avez des certificats d'entretien des ascenseurs, des systèmes d'alarme. Plus l'immeuble est gros, plus l'immeuble nécessite de certificats d'entretien multiples. Dans des très grandes copropriétés qui ont des revêtements extérieurs, par exemple, en béton. Ces grandes copropriétés ont des revêtements en panneaux de béton qui datent de 25-30 ans. La durée de vie utile de ces panneaux-là, elle est finie. Il faudrait les remplacer. Avez-vous l'idée qu'est-ce que ça coûte sur 15 étages de remplacer les revêtements extérieurs en béton? C'est des sommes faramineuses. Et les gens s'attendent dans leur condo qui vaut 1,5, 1,2, 1,8 millions, ils s'attendent d'avoir des nouveaux revêtements de béton. Mais la logique aujourd'hui, sachant ce qu'on sait, c'est de mettre des revêtements plus légers et non pas des revêtements aussi lourds à l'extérieur, dont les ancrages d'acier finissent par rouiller tôt ou tard et qui finissent par faire les drames comme ce qu'on a eu sur la rue Peel il y a quelques années, au Marriott, vous vous rappelez, où la pauvre dame est morte d'un morceau de béton qui est tombé, ou comme les stationnements qui se sont effondrés à Dorval. Alors, c'est suite à ces événements puis à ces décès que la Régie du bâtiment a dû instituer. Je suis au conseil d'administration de la Régie en passant. Alors, j'ai vu tous ces règlements-là arriver de proche. Et idem pour les tours de refroidissement puis la Légionella. Vous avez une tour de refroidissement dans vos copropriétés. C'est un équipement aujourd'hui qui est désuet. On n'installe plus des tours de refroidissement. Et c'est sujet à la Légionella et ça vous prend des entretiens préventifs. Logiquement, on remplacerait la tour de refroidissement par un circuit fermé qui n'a pas les risques de légionellose. Mais ça vous prendra la double majorité. Essayez d'expliquer ça à votre Assemblée générale. Pourquoi vous remplacez la... Il n'y a pas personne qui va être ému par ça. Il n'y a pas personne qui va être très sensibilisé. Alors, dans le condo magique, bien évidemment, il y a des mots-clés dans ce qu'on veut vous vendre. La piscine intérieure chauffée, si vous en voulez une, si vous pensez vous en servir, allez-y. Mais si ce n'est pas un must pour vous, achetez pas là. La piscine intérieure chauffée, surtout quand elle est sur le toit, elle nous coûte un bras à entretenir. Sur les frais, c'est majeur. Alors, choisissez là-dedans vraiment ce qui fait votre affaire. Je vais rapidement. Alors, ce qu'on a très souvent, puis là, je vous passe moult détails de mauvaise conception, les gyms et tout ça. Ici, ben, c'est mon gazon de tantôt, là. En dessous de ça, là, j'ai du stationnement à grandeur. Puis, j'ai pas un pouce carré de terrain où je peux mettre de la terre. On me dit que j'ai 5 minutes. Alors, checkez-moi bien, allez, 6 minutes. C'est un peu rébarbatif de parler de malfaçon comme ça. Mais quand le stationnement commence à fissurer, quand il y a des rubans de sécurité, personne ne la trouve drôle. Et si votre stationnement a 2 étages, c'est encore pire. Parce que l'étage d'en haut, avec tout le sel, commence à se dégrader et on voit les barres d'armature partout. Et c'est une dégradation majeure, y compris des colonnes qui rouillent par le bas, des poutrelles qui rouillent par le haut. De ça, là, il y en a légion. Mais personne ne va en parler parce que quand on va vous faire visiter votre condo, c'est pas là-dessus qu'on va attirer l'attention. C'est clair, OK? Après ça, vous voyez, là, j'ai un stationnement en dessous, là. Quand la barre d'armature a des bases de même, évidemment, ça commence à être un peu inquiétant. Alors, quand vous... ça, c'est vu... pas je me trompe, on le voit, là, c'est à Toronto. Alors, c'est une multitude de verrières et de terrasses. Alors, c'est un risque multiplié par à peu près 450. Et sur le bord du lac à Toronto, des condos à problème, des architectures de verre et de béton, vous en avez, il y a plein de littérature qui a été écrite là-dessus. Alors, mais c'est séduisant, la petite verrière, on aime donc ça. Alors, vous voyez, en haut ici, la terrasse dans les toits, puis toute l'articulation extrême. Quand le bâtiment est plein de petites bébelles qui font qu'on trouve ça tellement joli, bien c'est sûr que c'est plein de détails de risques d'infiltration partout. Alors ici, vous voyez, c'est une coupe dans un bâtiment où j'ai une terrasse ici, j'ai une terrasse là, j'ai un porte-à-faux ici, puis j'ai un espace extérieur qui donne là-dessus. Alors j'ai tout ce qu'il faut pour avoir... des risques et des infiltrations dans une conception aussi complexe. La démesure du vitrage, je vous montre ça, ce n'est pas un condo, mais je vous montre ça pour dire qu'on peut avoir des murs légers sans qu'ils soient entièrement vitrés. C'est une exigence qu'on a eue. Alors ici, c'est des transformations de vieux immeubles qui ont été faites en condo. Malheureusement,
Il y avait une petite lacune à quelque part dans les balcons, ça s'est effondré. Les balcons, c'est un enjeu important, vous le savez, là, depuis quelques années, les immeubles d'une trentaine d'années, les balcons s'effondrent à qui mieux mieux. Soit que les solives sont pourries, soit que les chanelles en acier sont trop rouillées. Après ça, ici, la coquetterie de l'architecte, il y a quelques années, c'était de faire un allège de fenêtre en trois morceaux. Ici, mes infiltrations d'eau se passent et la dégradation de la maçonnerie se fait. Idem pour ça en bas. C'est une mauvaise conception. Mais si vous voulez la corriger, double majorité. Après ça, vous ne voyez pas les condos quand... Vous les voyez pas, les condos, quand ils se construisent, mais ça, c'est de l'architecture en bois léger, comme il s'en fait, puis je ne suis pas contre, là. C'est juste que quand pendant la construction, ça vient tout trempe et tout gondolé, bien, c'est clair qu'on ferme ça rapidement. Puis vous savez, comme moi, y a-tu quelque chose qu'on aime mieux au Québec? Même, j'ai parlé tantôt de la loi sur la copropriété qui doit changer, mais c'est clair que notre organisme de réglementation sur le bâtiment, qui est l'Agence de l'efficacité énergétique ou ce qui en tient lieu maintenant, doit évoluer cette façon de faire. Parce que quand vous mettez à l'intérieur de ces revêtements tout trempe un polyéthylène à l'intérieur, ça n'a pas de chance de sécher. Le polyéthylène qui est requis, vous ne pouvez pas avoir une certification Nouveau Climat aujourd'hui au Québec si vous n'avez pas un pare-vapeur de type 1 polyéthylène ou aluminium. Et c'est effrayant. C'est effrayant d'avoir une conception aussi désuète de la façon de faire les murs. Ça fait des murs qui ne sèchent pas. Ça fait toujours des problèmes à long terme. Et pourtant, on ne jure que par ça, de mettre un polyéthylène à l'intérieur et un polystyrène à l'extérieur. Ça n'a aucun sens. Alors, quand on a trappé de l'humidité comme ça, bien évidemment, ça ne fera pas des enfants forts. Alors, qu'est-ce que vous voyez, là, à part on a pixelisé un visage, là, qu'est-ce que vous voyez? C'est un détail, vous allez me dire, mais c'est un détail que j'ai intercepté sur un chantier. OK. Oui, vous nous donnez ça, là, assez vite, là. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Qu'est-ce que vous voyez? Bien, vous voyez deux types qui posent du gyproc, OK? Le gyproc, il fait le rond. Ils l'ont taqué là, puis ils l'ont taqué là. Pensez-vous que les vis au milieu vont tenir longtemps? C'est de la géométrie. Quand je pousse, ça finit par redescendre parce que je l'ai ancré au mauvais endroit. Faut-tu le vis du milieu en allant vers les extrêmes? Hey, on fait toujours ça de même? Mais non, peut-être, mais regarde les instructions du fabricant, c'est pas comme ça que ça doit se poser. Il y en a des détails comme ça dans le bâtiment, vous n'avez pas idée à quel point, mais encore une fois, sans surveillance des travaux, c'est clair que ça n'améliore pas les choses. Qu'est-ce qu'on vous montre ici? On vous montre un immeuble où il y a un revêtement de briques très, 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 très haut. Un revêtement de briques, ça ne doit pas avoir plus que 10 mètres. Après ça, il faut l'installer sur des cornières qui vont rouiller, là, mais des cornières pareilles. Alors, j'ai dit, comment ça se fait que vous avez 8 étages de briques qu'il n'y a pas de cornière d'acier pour les tenir? Ça fait un mur instable. Oh, c'est pour ça qu'on a un mur qui a tombé l'année passée. C'est ça que le type m'a répondu. Alors, c'était quoi ça? C'était un ancien immeuble d'appartement qui a été construit, qui a fait faillite, qui a été transformé en condo. Puis là, il y a du monde qui sont pris avec ça, mais qui ne savent pas les tenants et les aboutissants d'une construction de qualité versus celle qui ne l'est pas. Ce fameux revêtement de simili-bois qu'on voit partout au Québec, qui se détériore rapidement partout. J'en ai une collection de ces revêtements-là que j'ai vu en Argentine, que j'ai vu en Espagne, que j'ai vu en France, que j'ai vu partout au Québec. Et on continue d'installer ce maudit revêtement qui coûte 400$ la feuille comme étant un revêtement de bois éternel. Hey, éternel, mon œil. Regardez comment ça vieillit mal. Ce n'est pas des farces. À Québec, il vient de se lever un immeuble au bord de à l'intersection de la 40 avec ce même revêtement-là. Ce n'était pas un immeuble de pauvre, là, c'est un immeuble de prestige. Et pourtant, on sait que ça va se dégrader comme ça. C'est vraiment effrayant, mais ça donne un look écologique. Ça a l'air du bois. Hein? Alors ici, vous voyez des colonnes. Vous les voyez peut-être pas bien, mais qui sont bien pris dans le béton, qui n'ont pas de trou pour enlever la condensation. Et c'est toute une marquise d'entrée qui est en train de gonfler par la condensation. Ici, vous avez quelque chose qui est mieux fait. Il y a les espaces qu'il faut. Il n'y a pas de coin à 45. C'est des détails. Alors, vous voyez, évidemment, les illustrations pour vendre des condos, c'est toujours des revêtements
important et vitré jusqu'au sol. Il paraît... Oui? La question que j'ai, c'est qu'est-ce qui serait un indice de qualité? Je vous dirais des matériaux de qualité puis une certaine sobriété de conception. Un équilibre dans la juste proportion du vitrage, la juste proportion des fenêtres, mais la qualité dans chacune de ses composantes. Et surtout, comme ça arrive dans la plupart des cas, quand le syndicat de copropriété est constitué, quand il y a plus que 50 % des unités de vendues, puis le syndicat est constitué, la plupart du temps, le promoteur ne veut même pas donner les plans de construction au syndicat qui va avoir à s'occuper de l'immeuble par la suite. Ça n'a aucun bon sens. Ça devrait être obligatoire que les gens aient les plans. Moi, j'ai eu à intervenir sur des copropriétés. Il se trouvait que je connaissais l'architecte concepteur. Je lui demande bien gentiment, est-ce qu'on pourrait avoir les plans? Ça nous aiderait pour avancer dans ceci, dans cela. Mais non, c'est pas mon client, ça. Le syndicat, c'est pas mon client. Moi, mon client, c'est le promoteur, m'a-t-il répondu. Alors, bien, j'ai dit, écoute-moi bien, on va avoir pareil les plans parce que vous avez déposé les plans pour la demande de permis, puis je vais aller avoir les plans à la ville. C'était puéril de sa part, c'était plate, mais ça occasionne vraiment... Alors, si vous n'avez pas les plans, si l'immeuble est un peu en escarpin et en robe du soir, pour reprendre mon exemple, je pense que vous n'aurez pas un immeuble harmonieux, fonctionnel et durable. OK? Bien, écoutez, ce qui existe au niveau du RGCQ, j'en fais partie, là, du regroupement des gestionnaires de copropriétés du Québec, on est en train de mettre sur pied un indice condo qui vous donne une idée de la qualité de gestion. Mais ça ne vous donnera pas l'idée de la qualité de conception, de la surveillance des travaux, s'il y en a une. Écoutez, les copropriétés, la plaine du Saint-Laurent au complet, vous le savez, c'est de l'argile. Puis de l'argile molle, là. Saint-Amable, Saint-Hyacinthe, Saint-Zotique, c'est des argiles molles. Saint-Amable, je ne l'ai pas entendu dire, je l'ai vu, une pelle, tu sais, pour creuser une pelle, là. Tu prends la pelle, là, puis elle rentre, là, dans le sol. Il y a des endroits, là, on met des pieux pour tenir le bâtiment. Bien, les pieux, là, il faut les retenir. Il ne faut pas les enfoncer, il faut les retenir. Parce que quand on les lâche, là, ils calent tout seuls. Alors, il faut les retenir le temps de les souder l'un à l'autre jusqu'à temps d'avoir du solide. Alors, quand vous n'avez pas du bon sol, je vais en parler à la fin. En général, l'unité que vous achèterez, pour l'amour du ciel, achetez pas l'unité en demi-sous-sol. Si vous avez une copropriété qui a des unités en demi-sous-sol, fuyez ça comme la peste, parce que tôt ou tard, vous allez avoir des drains à refaire, des gens qui vont avoir de la moisissure. Alors, la moisissure est due à quoi? À la conception ou à la façon dont les gens habitent? Peu importe, le résultat va être le même. Même la Société d'habitation du Québec, même plusieurs offices municipaux d'habitation ont fini par comprendre puis ne construisent plus de logements à demi-sous-sol. Si c'est bon pour les organismes publics, pensez pas que ça aurait de l'allure pour les copropriétés aussi. C'est vraiment fondamental. Quand un éco-conseiller vous dira les lierres sur le bâtiment, ça n'endommage pas le bâtiment, là, bien, croyez-le pas, OK? C'est pas vrai, ça. Le lierre s'infiltre dans la maçonnerie, s'infiltre dans les soffites, constitue des orifices où les fourmis rentrent. Les bâtiments qui sont trop enterrés, l'aménagiste en paysagement a passé. Il y a des parements de briques, il y a toutes sortes de revêtements extérieurs. Ils nous ont tous enterré ça comme il faut pour pas qu'on voit un pouce de solage. Puis là, en plus, non seulement ils ont trop enterré le bâtiment, mais ils ont mis des petits gicleurs automatiques qui arrosent le mur, puis qui tiennent notre bas de mur arrosé et mouillé en permanence. C'est vraiment incroyable. Alors, quand on vous dira que des toits verts, on peut en faire, c'est vrai, il n'y a pas de problème. On est sur le Hilton Bonaventure, ici en plein centre-ville, et il y a des toits verts depuis 50 ans. Il y a des piscines, il y a des bassins, il n'y a aucun problème. Ils ont un staff pour les entretenir. S'il y a une fuite d'eau, ils ne la laisseront pas faire. Ils vont intervenir, ils vont vider les bassins. Ils ont une gestion exemplaire. Vous me permettrez de vous dire que ce que j'ai vu dans la copropriété, non, ce n'est pas une gestion exemplaire. Puis, bien, on ne loue pas nos chambres au prix qu'on les loue au Hilton Bonaventure, au centre-ville de Montréal. Alors, il y a des ressources techniques, puis il y a des ressources financières dans ces cas-là pour justifier d'avoir ces aménagements-là. Alors, même chose, vous le voyez bien, on est, si vous reconnaissez, là, c'est des photos que j'ai prises de la rue, les condos avec toutes les surfaces vitrées, on est
Allez-y un peu plus tard dans l'après-midi, là, tous les stores sont fermés. Alors, ça donne quoi? La juste proportion, l'équilibre, c'est pas winner, c'est pas sexy, mais c'est encore ce qui a plus de chance. À chaque fois que vous avez des revêtements d'acrylique ou des revêtements uniformes, voyez-vous, là, des revêtements uniformes, il n'y a pas de joint, il n'y a pas de solin, il n'y a pas d'égouttement. L'architecture contemporaine, elle veut nier qu'on a besoin des paupières, elle veut nier qu'on a besoin d'encadrer nos ouvertures, mais ça fait des revêtements qui, malheureusement, souffrent. Et quand je vous parlais des tendances, j'ai fait exprès de présenter un bâtiment des années 80 avec toute la dentelle de briques puis la verrière. Là. À chaque fois qu'on a ça, des entablements qui n'égouttent pas les eaux, une architecture trop particulière. Regardez, vous le voyez ici, là, toute l'efflorescence qu'on a là, c'est quoi ça? C'est la cornière qui est en train d'avoir des problèmes majeurs. Alors, il y a plein d'indices comme ça. Mon plaisir, ça serait qu'on fasse une visite guidée puis qu'on lise les bâtiments sur la rue. Pas besoin de rentrer dans les immeubles. Je pourrais vous dire d'avance qu'est-ce qui sent en dedans, tellement c'est caractéristique, les époques, les matériaux. Alors, pourquoi installer de la brique debout comme ça? La brique, elle n'est pas garantie par le manufacturier. Ça va être tout à refaire. Il n'y a pas de solinage, il n'y a pas d'égouttement. Alors, si vous avez besoin de comprendre pourquoi le béton, c'est un matériau poreux, la brique, c'est un matériau poreux, bien, vous ne faites pas la vin aussi souvent que moi parce que j'ai vu tous les viaducs être refaits depuis quelques années. Alors, même chose quand on a des tablettes en brique comme ça. J'ai pris ça au hasard, là. Mais quand les gens vont dire, ici, on met une tablette en granit parce que la tablette en brique, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas le matériau approprié à l'usage. Bien, quand on va vouloir changer ça, ça va nous prendre la double majorité. Et c'est là qu'on a des problèmes, puis c'est là qu'il y a des immeubles, à mon avis, dans lesquels c'est moins tentant d'investir. Et là, je vous passe les passe-passe plus dramatiques de ceux qui partent avec la caisse. Alors, quand vous voyez le bâtiment qui pleure, comme ça, avec l'égouttement d'eau, on voit bien que c'est parce qu'il y a une pente inappropriée, puis que ça coule d'un côté. Alors ça, c'était la tendance d'il y a 20 ans, la brique, la brique, la brique. Aujourd'hui, c'est le verre, le verre, le verre. Mais dans les deux excès, on est dans le trouble. Vous voyez, regardez comme il faut. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le panneau de béton ici, là? Là, je vous dirai pas c'est où, là, mais c'est pas des condos. Mais les panneaux de béton qui sont en train de... Je peux pas juste mettre du silicone pour boucher les trous, là. C'est des investissements beaucoup plus importants qui sont requis. Oui. Ouais, je pense que je vais peut-être bouffer la période de questions un peu. Moi, j'ai une question pour vous. Fait qu'à ce moment-là, on s'entend que la modification réglementaire ou le législatif ne se fera pas. Est-ce que c'est possible de modifier cette double majorité-là à l'intérieur de la déclaration de copropriété non. Pour des nouveaux propriétaires? Non, ça, c'est la loi provinciale sur la copropriété. Je sais, on peut la bonifier pour la rendre plus exigeante, fait que possiblement que... Plus exigeante, mais pas moins. Oui, plus exigeante, mais pas moins. Je vais vous donner un autre exemple que dans des séances qu'on avait avec des copropriétaires où vous me relatez ça, puisque vous êtes du milieu juridique un petit peu. Les gens du milieu juridique disaient aux gestionnaires de copropriété, quand vous faites un appel d'offres, vous n'êtes pas tenu de prendre le plus bas des fournisseurs, vous pouvez prendre n'importe lequel. J'ai collé au plafond pour dire oui, vous pouvez prendre n'importe lequel. Mais vous perdez votre crédibilité comme donneur d'ouvrage parce que les gens qui vous ont donné des prix, là, s'ils voient que vous prenez le deuxième, le troisième ou le quatrième, ils ne voudront plus vous en donner des prix. Donc, vous avez à considérer que vous avez du partenariat à faire avec les gens puis de respecter le processus d'appel d'offres. Ici, je voulais juste faire remarquer que le pilastre de briques qui est très, très haut, qui est appuyé sur des cornières de place en place, bien, c'est sûr qu'il va faire partie de nos façades à inspecter aux 5 ans en vertu du règlement sur l'inspection des façades. Et c'est assez fragile. Et on a encore plein de copropriétés. Regardez ce qui se lève dans les copropriétés en béton. On en voit encore plein où les balcons sont le prolongement de la dalle de béton vers l'extérieur. Ça n'a pas de bon sens. C'est un pont thermique épouvantable. Alors, soit vous chauffez le dehors ou vous refroidissez le dedans, mais la continuité intérieure-extérieure de la dalle, c'est assez impressionnant de non-sens. Alors, de la brique sans solinage en haut, là, des choses caractéristiques
quand les végétaux sont rendus à pousser là, posez-vous des questions, pour l'amour du ciel. Alors, gardez l'arrangement de gouttière. Ces logements en demi-sous-sol-là, c'est pas nécessaire. Allez ailleurs. Alors, durable, harmonieux, fonctionnel, c'est ce qu'on voudrait avoir. La question, c'est comment se fait-il qu'on est rendu à la ville à accepter des plans comme ça? C'est pire encore. OK, c'est pire encore. Je vous passe des autorisations qui ont été données pour des modifications de mezzanine de condos. C'est hallucinant. Mais je me rappelle avoir eu des arguments considérables avec les gestionnaires de la Ville de Montréal dans l'habitation publique, où je leur disais, arrêtez de faire des logements en demi-sous-sol. Et la réunion d'après, là, on était dans un forum sur les aspects techniques de l'habitation. Et la réunion d'après, ils ont voulu me convaincre avec des plans d'architectes. Ils ont dit, garde, on a fait ça, c'est beau. Puis là, on me dit, oui, mais c'est parce que le code du bâtiment ne nous permet pas. Je dis, garde, t'es-a ici, les intervenants du code du bâtiment. Pourquoi vous ne vous parlez pas? Quand on en parlait tantôt. Hein? Exactement. Puis aussi, il y en a qui sont trop bons soldats, qui disent, le code nous. Les demi-sous-sols, là, c'est une question de nombre d'étages. Quand on a un logement demi-sous-sol, ça te permet de faire 4 étages de logement, puis ça compte pour 3 étages. C'est un artifice du code complètement imbécile. Puis quand on a, même si c'est un demi-sous-sol, tu as les pieds dans l'eau pareil. On dit pour faire un bâtiment, la tête au sec, les pieds au sec. Mais tu n'as pas besoin d'être enfoncé de 8 pieds dans l'eau. Dès que tu es enfoncé d'un pied dans le sol, tu captes l'humidité, ça migre par capillarité dans tout l'immeuble. Mais là, il y a quelqu'un qui vous a dit, dans l'isolation de votre sous-sol, qu'il fallait mettre un polyéthylène sur le mur, un pare-vapeur. Fait que l'humidité arrive de dehors, elle reste trappée entre le polyéthylène et le béton, et tout rouille. Cette semaine, une gestionnaire d'immeuble de 36 unités m'appelait pour dire que colombages d'acier au sous-sol sont tout rouillés. Bien, j'ai dit, madame, j'imagine que vous avez une assez vieille fondation. Elle m'a donné l'adresse, je savais c'était où. Donc, c'est à Québec, c'est pas à Montréal. J'ai dit, donc, dans ce quartier-là, votre fondation doit être en pierre. Quand ça a été changé de destination il y a 20-25 ans, dites-moi si je me trompe, vous avez mis des colombages d'acier, de la laine rose, un polyéthylène, puis du gyproc. Mais elle dit, comment ça se fait que vous savez ça? Bien, je connais mes époques quand même. Puis j'ai dit, là, bien, entre le polyéthylène et la fondation de pierre, c'est sûr que les colombages sont tout rouillés. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans? C'est pas de remettre d'autres colombages. C'est clair que la technique ne fonctionne pas. Monsieur Bourassa, je ne sais plus comment vous arrêter, mais vous êtes très intéressant. Écoutez. Mais je vais juste finir. Oui? Je vais finir. Écoutez, je vais finir. Est-ce qu'on le croit? On laisse finir? Oui, on laisse finir. Non, mais c'est super intéressant. Je vais finir en disant de penser au sérieux de la conception du bâtiment, du mieux que vous pouvez avec votre visuel, sinon faites-vous aider, pour l'amour du ciel. Demandez les plans. Si vous ne pouvez pas avoir les plans de l'immeuble, si personne dans la copropriété a les plans de l'immeuble, posez-vous des questions. Le contexte administratif, est-ce qu'il est simple et stable? Est-ce qu'il y a un roulement au conseil d'administration à n'en plus finir? Puis est-ce que c'est assez simple? Ou comme je vous disais tantôt, il y a 8 syndicats qui font partie d'un 9e syndicat. Fuyez ça comme la peste. Demandez les notes d'information, le budget, les dettes, les travaux effectués. La surabilité. On a de grands immeubles de condos à Montréal qui ne sont plus assurables. C'est effrayant. Pour des vieux bâtiments, quels ont été les parties qui ont fait l'objet de remplacement? Et faites attention, il y en a été question beaucoup dans les médias, aux locations de courte durée. C'est peut-être pas le voisinage que vous souhaitez avoir. Pas pire, hein? Hey, tadam! Merci!